Bonjour, nous allons parcourir ensemble l'itinéraire du carnet caté Le Pardon de Dieu. Face à une situation de faute commise présentée dans la première rencontre, les enfants sont invités à réfléchir et à se positionner. Il s'agit d'éveiller et d'éclairer leur conscience morale. Avec l'épisode de la faute de David, les enfants découvrent l'amour et le pardon de Dieu, mais aussi son invitation à avouer son péché et à reconnaître sa responsabilité. Lors de la seconde rencontre, les enfants observent avec attention la parabole du fils perdu et retrouvé. Ils font attention aux attitudes de ce fils et du père qu'il aime et lui pardonnent. En contemplant le tableau de Rembrandt, ils méditent ce récit. Ils sont invités à préciser ce qu'ils reçoivent de Dieu et ce qui les amène à lui demander pardon. Dans la troisième rencontre, les enfants repèrent, dans les paroles du baptême, comment Dieu délivre du péché. Mais ils prennent conscience qu'il leur arrive de pécher à nouveau. Par les étapes du sacrement de pénitence et de réconciliation, ils sont invités à revivre la conversion du Fils perdu et retrouvé et à renouveler l'alliance du baptême. Le catédimanche est un temps de catéchèse communautaire intégré au rassemblement dominical. Les enfants, avec leur famille, sont invités à rejoindre la communauté chrétienne pour distinguer ce qui est l'ordre de la faute, de la culpabilité et du péché, et expérimenter une démarche pénitentielle. À la maison, le CD-DVD avec les prières en famille. Il m'aime, quoi qu'il arrive. Même si je suis pécheur, même si je l'oublie parfois. Les courts-métrages Nathanaël. Qui est-ce qui a pris l'argent qui était là-dedans? C'est pas moi. Attendez, il y avait 15 euros, là maintenant il n'y a plus qu'un euro 20, quoi. C'est pas moi. La vidéo pour les parents. Le chant. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Mais aussi le bricolage. Allez, viens faire la fête avec nous. J'arrive. Et le site internet provoque et suscite un dialogue, un cheminement en famille. Je vous invite maintenant à lire le texte « La dynamique du carnet » et à partager en équipe autour des questions proposées.